On va s'intéresser avec vous pour commencer aux armes secrètes des nazis, aux armes secrètes développées par Hitler. On commence avec une fusée révolutionnaire, je crois qu'elle s'appelle la fusée V2, dites-nous tout. Absolument, nous sommes en septembre 1944 dans une forêt de Belgique. Et depuis quelques jours dans cette clairière, les Allemands ont acheminé dans le plus grand secret un engin révolutionnaire qu'ils ont baptisé le V2. Le voici, ce V2, il est énorme. C'est le premier missile balistique de l'histoire, le père de toutes les fusées modernes. Et à l'époque, c'est le résultat de 15 ans de recherche. Qu'est-ce qui le rend si révolutionnaire, cette fusée, la V2 ? Alors tout, on va regarder d'ailleurs à l'intérieur pour vous le montrer. Vous avez notamment à l'arrière le moteur qui est totalement novateur pour l'époque. Il est alimenté par deux immenses réservoirs remplis d'éthanol et d'oxygène liquide refroidi. Et vous obtenez assez de puissance pour emmener les 13 tonnes de missiles à 90 km d'altitude. En fait, avec le V2, s'ouvre vraiment l'ère spatiale. Le problème, c'est que le V2 est un peu trop en avance sur son temps du point de vue militaire. Pourquoi ? Peut-être heureusement pour les Alliés d'ailleurs. Absolument. Vous allez voir à la pointe ici, vous voyez cette petite charge explosive. C'est la partie en jaune à l'avant du missile. C'est 800 kilos d'explosifs seulement sur le V2. C'est très peu comparé notamment aux bombardiers alliés qui peuvent en emporter trois fois plus. Et surtout les bombardiers, ils sont réutilisables alors que le V2, lui, est détruit à chaque utilisation. Et en plus, le V2 est très imprécis. Il peut rater sa cible de plusieurs kilomètres. Et il est facile d'utilisation ce V2 ? Oui, il est très facile d'utilisation. Par exemple. Absolument, parce qu'il y a des véhicules qui sont adaptés pour le transporter également, et puis pour le placer à la verticale, comme vous allez le voir derrière moi, vous voyez, et le plein des réservoirs, il est assez rapide. Il se déroule en 2 heures, vous le voyez là-bas, et il faut tirer vraiment dans la foulée parce que certaines pièces du V2 s'abîment très très rapidement. Dernier élément, Nicolas, c'est pour combien de fusées en train de décoller. C'est incroyable, non mais vraiment, vous nous faites très bien, on a l'impression d'y être, pour de vrai. Dernier élément, Nicolas, combien de fusées ont été tirées pendant le conflit ? Alors en tout, il y a 3000 V2 qui ont été tirés, surtout d'ailleurs sur Londres et sur Anvers. Les V2 ont fait environ 9000 victimes, surtout d'ailleurs des civils. Mais il ne faut surtout pas oublier les prisonniers de camps de concentration qui ont été réduits en esclavage pour assembler ces fusées. 26 000 d'entre eux en sont morts.